Bonjour à tous, merci de votre accueil. Nous allons vous présenter aujourd'hui l'agenda 2030 de la commune de Beauchamp, donc de votre commune. Ça va se dérouler en trois temps. Madame le maire introduira évidemment la séance. Je vous présenterai ensuite le diagnostic et la démarche d'agenda 2030. Et Monsieur Planche conclura sur un appel à action pour que vous puissiez tous devenir acteurs de cette transition. Et donc, en parlant de transition, je passe directement la parole à Madame le maire Françoise Normann pour qu'elle nous présente l'engagement municipal en ce domaine. Eh bien, bonjour à tous. L'engagement municipal, nous souhaitions effectivement agir ensemble pour la transition énergétique et écologique. Un programme global répondant aux défis du dérèglement climatique, un projet débuté en octobre déjà 2022 et surtout des objectifs finalisés dans l'agenda 2030 fin 2023 pour une mise en œuvre en partie à partir de 2024. Donc l'équipe municipale s'est déjà engagée dans cette démarche, mais a besoin d'avoir une vision globale et un outil de programmation afin de coordonner et mettre en cohérence les actions existantes ou projetées. Le rôle de l'agenda, alors 2021 ou 2030, puisque nous parlons de l'agenda 2030, est donc de planifier toutes les actions en matière de développement durable qui seront mises en œuvre dans la décennie à venir. Cela concerne des projets concrets dont la programmation et le financement, le mode opératoire seront précisés tout à l'heure. Cet agenda couvre aussi bien des enjeux environnementaux, notamment le dérèglement climatique, les ressources en eau, la biodiversité, etc., ainsi que les enjeux sociaux, l'éducation, la solidarité, la santé, et puis économique également. Il s'appuie sur le diagnostic territorial réalisé par le cabinet VZA, que je remercie pour son intervention et son accompagnement dans cet agenda, et sur la concertation lancée avec les habitants à l'occasion des conseils de quartier avec qui nous avons déjà travaillé, et sur la plateforme participative de la ville que nous avons déjà mise en œuvre. Dans cette présentation, nous allons partager quelques éléments de diagnostic et évoquer ensemble déjà les actions qui ont été mises en place et qui seront projetées. Je remercie donc Jean-François Papeau, directeur général de Visea, qui va nous présenter ces différents éléments. Et nous terminerons cette projection par la conclusion de Monsieur Planche, qui est mon premier adjoint en charge de la scolarité, la culture et la démocratie locale, qui conclura cette présentation. Merci à vous. Merci Madame le maire. Donc, je vais donc vous présenter la démarche d'agenda 2030 de mise en œuvre à Beauchamp. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un agenda 2030? L'agenda 2030, effectivement, comme l'a précisé Madame le maire, est issu de l'agenda 2021, construit par l'ONU autour de 17 objectifs de développement durable. C'est donc un programme d'action qui vise à assurer la complémentarité et la transversalité entre tous ces objectifs qui recouvrent en effet des choses aussi diverses que le climat, la biodiversité, l'énergie, mais aussi des champs plus sociaux comme la pauvreté, l'égalité des genres et l'ensemble des actions, des objectifs que rappelait Madame le maire. C'est une feuille de route qui permet de porter l'ambition de transformer notre société en regard de ses objectifs de développement durable et donc de transformer en particulier la commune en collaboration. Pour revenir sur le planning, nous avons commencé par un diagnostic de développement durable qui s'est achevé en novembre 2022. Les élus ont priorisé sur la base de ce diagnostic et de leur connaissance évidemment propre du territoire les objectifs de développement durable. Ensuite est arrivée l'élaboration du plan d'action. Ce plan d'action a été fait en atelier avec vous, comme le rappelait Madame le maire, notamment au cours de conseils de quartier, en atelier avec les agents de la commune et aussi via la plateforme numérique sur laquelle je reviendrai un tout petit peu plus tard. Nous en sommes maintenant entre cette concertation et la finalisation du plan d'action pour une adoption de l'agenda 2030 en décembre 2023.
Je vais donc vous présenter rapidement ce qui a pu être fait au travers, pardon, du travail de diagnostic et pour chaque focus, m'attacher à donner les points clés pour Beauchamp ainsi que la manière dont la commune a déjà agi pour ces enjeux. En regard du changement climatique, que constatons-nous? Le premier poste de gaz à effet de serre à Beauchamp est le résidentiel, c'est-à-dire le logement, avec 65%. On note aussi une forte dépendance à la voiture et en contrepoint, à peu près 20% d'espaces verts sur la commune, comme par exemple le bois Barachin. Comment la commune agit-elle? Elle agit de plusieurs manières. Vous pouvez bien évidemment lire en même temps, mais je vais faire un zoom sur l'école de la Chaîne, qui est un projet pilote qui vise à augmenter la surface végétale, à désimperméabiliser le sol et faire de la cour un réel îlot de fraîcheur. C'est un projet accompagné par le CAUE, c'est-à-dire le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Val d'Oise, qui est basé sur une large concertation avec tous les acteurs. La réalisation de ces travaux se fera l'été 2024, avec pour objectif d'évaluer les apports obtenus par cet aménagement pour pouvoir ensuite le répliquer sur les autres cours d'école dans les années suivantes. Si maintenant je regarde la biodiversité, que constate-t-on? Eh bien déjà, 13% de la surface communale est occupée par des forêts, ce qui est une forte proportion par rapport à l'Île-de-France. Et 6 autres pourcents sont occupés par d'autres espaces verts à l'intérieur de la commune. Témoignage de l'engagement de la commune pour la biodiversité, déjà 300 arbres sont protégés dans le plan local d'urbanisme ou le PLU. Mais comme vous le voyez, la commune ne s'arrête pas là. Je vais revenir en particulier sur le bois Barachin avec la réouverture de ce parc qui était fermé depuis 70 ans en avril 2022. Cet aménagement a été réalisé en partenariat avec la communauté d'agglomération Valparaisis et a permis de mettre en place un programme de protection de la faune et de la flore, un parcours de santé, des cheminements pour les personnes à mobilité réduite, une piste cyclable et bientôt, en 2024, un rucher complétera ce programme. Si je regarde maintenant la ressource en eau, premier constat, la commune consomme 51 mètres cubes d'eau par an et par habitant, soit un peu plus que la moyenne, voire 10% de plus que le reste de la communauté d'agglomération Valparaisis. S'il n'y a pas encore de dispositif de récupération de pluvial, il existe pour autant un coefficient de pleine terre intégré au plan local de l'urbanisme permettant de retenir l'eau à la parcelle et de limiter la surcharge des réseaux d'eau en cas d'orage. Au-delà des documents d'urbanisme, la commune agit sur des aménagements avec, par exemple, la réhabilitation du parking chaussée Jules César, c'est un vecteur important pour l'accès au commerce du cœur de ville. La commune a acquis ce terrain pour y implanter 600 mètres carrés de stationnement réaménagé pour permettre l'infiltration des eaux dans le sol. Après les travaux, la surface végétalisée a été multipliée par 6 et 6 arbres ont été plantés. En ce qui concerne la production et la consommation responsable, avec 306 kilos par an de déchets collectés par habitant, c'est significativement plus que le reste de l'Île-de-France. Pour autant, en matière de consommation responsable, il est notable de constater la présence de nombreux commerces locaux, tels que des AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, des paniers de producteurs locaux et bien sûr la présence de nombreux produits bio et locaux sur le marché. Sur son champ de compétences, en priorisant des circuits courts, la ville agit aussi sur la restauration collective. Elle impose ainsi à son délégataire de proposer 50% de produits biologiques et de permettre un repas végétarien aux élèves chaque semaine. Les menus sont dimensionnés pour être proportionnés aux besoins des enfants afin d'éviter le gaspillage alimentaire. Un projet de tri sélectif sera prochainement mis en place à l'école Pasteur dans le cadre de l'ouverture du nouveau réfectoire. Focus maintenant sur les enjeux sociétaux et économiques. D'un point de vue sociétal, la population est plutôt âgée à Beauchamp. La commune dispose de nombreuses infrastructures et activités sportives et les efforts menés sur la restauration collective, par exemple, la présence de 50% de produits biologiques participent à proposer une alimentation saine aux usagers de cette restauration. Ici aussi, la commune agit de différentes manières. Par exemple, le cabinet de santé a été ouvert en 2019 avec pour objectif de faciliter l'installation de médecins et de professionnels de santé sur la commune. Pour autant, la commune souffre, comme toute l'Île-de-France, d'un déficit généralisé de professionnels avec une concurrence féroce entre les différentes communes pour attirer ces professionnels. D'un point de vue de la solidarité et de la cohésion sociale, même si le revenu médian à Beauchamp est légèrement supérieur au reste de l'Île-de-France, la commune met en place un quotient familial avec des grilles tarifaires adaptées aux revenus et le CCAS veille à fournir un accompagnement au quotidien aux populations les plus fragiles et aux personnes vieillissantes.
La commune agit en favorisant la création de lieux, favorisant le vivre ensemble, notamment dans le cadre du réaménagement urbain du cœur de ville, où vous aurez noté qu'une attention particulière a été notée, apportée à l'espace partagé, pour qu'il soit un lieu d'échange, de rencontre et de convivialité. Sur le tissu économique, les acteurs dans l'économie sociale et solidaire sont plutôt peu nombreux. Pour autant, on note avec Vectura Park un fort vecteur de création d'emplois dans la commune. La commune, quant à elle, s'attache à retenir des artisans locaux lors des événements qu'elle organise. La compétence économique soit assurée par la communauté d'agglomération du Val-Parisis, la commune va plus loin. Par exemple, le réaménagement de l'îlot Triangle va permettre de créer une complémentarité entre logements et commerces en pied d'immeuble et ainsi constituer un trait d'union entre la gare et le centre-ville. Vous le savez, la participation citoyenne est un point fort de la commune de Beauchamp avec ses 5 conseils de quartier, un tissu associatif très dynamique et la mise en place de la plateforme numérique participative. Cette plateforme a été lancée en janvier 2023. Elle a déjà permis d'organiser le budget participatif, de solliciter des avis des usagers via des questionnaires, de permettre, dans la collaboration de l'enquête publique relative à l'aménagement du centre-ville, le recueil de ce que pensaient les habitants et enfin, évidemment, de recueillir vos propositions sur l'agenda 2030. Cet outil est le vôtre, son objet premier de renforcer le dialogue au quotidien entre les habitants et l'équipe municipale. Transition toute trouvée, je cède maintenant la parole à Monsieur Planche qui va vous expliquer comment la démarche va se poursuivre et comment vous allez pouvoir être acteur ou actrice de la finalisation de cet agenda 2030. Bonjour, vous souhaitez contribuer à l'élaboration de notre agenda 2030 pour Beauchamp. Vous avez déjà pu participer à de nombreuses réunions mises en place depuis quelque temps et vous avez été nombreux à venir élaborer avec nous ces premiers pas. Vous pouvez contribuer à la construction de notre agenda à travers la plateforme Je participe, mais aussi en venant participer physiquement à des ateliers. Nous adopterons notre agenda 2030 lors de notre conseil municipal du mois de décembre. Celui-ci sera bien évidemment notre fil rouge des actions que nous mènerons jusqu'en 2030. Pas fini. En apportant votre contribution à ces projets communs, en acceptant de modifier certaines habitudes que l'on a les uns les autres, en envisageant des solutions de long terme, nous construirons ensemble l'avenir de notre commune.